Voilà, donc bonjour Marie. Bonjour Pascal C'est et votre tour aujourd'hui alors. bonjour. Grand moment attendu. Voilà, je vous présente Emmanuel qui va travailler pour vous et sur vous. Bonjour, Bonjour. Bonjour, réception. bonjour Emmanuel. Voilà Marie, bah écoutez, je vous invite à donc exprimer les points sur lesquels vous voulez travailler. Oui, ça vous dérange si je lis? Non, pas du tout. Non, non, non. C'est pas. Vous avez noté des points concis. Vous faites pas. Relativement concis, si c'est pas assez concis, vous me le dites, j'essaierai de. Voilà. Hein. Disons qu'on n'a pas besoin de l'histoire ou de l'historique. C'est simplement les points sur lesquels vous voulez travailler. J'ai tel problème, tel problème, tel problème, et nous, on va chercher l'origine. Donc, c'est pas la peine de développer. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. C'est à moitié développé, vous allez Ah, voir. ça, je m'en doutais, c'est pour ça que je vous le dis. Je vous écoute. Nous vous écoutons. Ma question principale, je voudrais travailler au niveau énergétique, le fait de pouvoir être dans ma puissance de manière alignée. J'ai constaté dans ma vie une tendance à remettre mon pouvoir à l'extérieur ou à prendre le pouvoir dans mes relations. Donc ça, c'est un point, à mon avis, les points suivants, vous souvent référez à ce point-là, mais je vous les lis aussi. Donc au niveau physique, je souffre de fatigue et de manque d'énergie régulièrement. Je ressens beaucoup de colère en moi, des reins faibles, cystite régulière. Est-ce que tu peux aller plus Moi, doucement, s'il te plaît? vous. Parce que je prends des notes en même temps Bien sûr. et j'ai pas de formation de dactylo, donc. Alors, donc fatigue, manque d'énergie, j'en étais là moi pour l'instant. D'accord. Voilà. De la colère, beaucoup de colère. Colère. Des reins, au niveau des reins, de la faiblesse, des cystites. D'accord. Au niveau des intestins, constipation et inflammation. Intestin, constipation, inflammation, d'accord. Alors, tendance à la rétention d'eau. Rétention d'eau, oui. Inflammation de la gencive et dents qui attrapent vite des caries. D'accord. Et alors, au niveau de la nourriture, je trouve que ma relation n'est pas très fluide avec la nourriture. C'est pas très grave, mais je suis un peu dans le contrôle, peur de manquer, utilisation pour combler un vide. D'accord. Donc, tu veux dire que tu fais un peu de boulimie, c'est ça? Oui, pas à ce point-là, mais je me dis parfois en mangeant que là je suis en train de manger et j'ai pas faim. Donc il y a peut-être, je sais pas, une émotion, un besoin d'ancrage. Parfois je mange D'accord. des choses que Une mes médecins compensation, quoi. appellent une compensation. D'accord. Alors, je ressens souvent la frustration de ne pas avoir accès à toutes les informations, que ma conscience est voilée, qu'elle est limitée. D'accord. J'ai beaucoup de difficultés à aller vers les autres. Alors, quand je suis dans un groupe ou dans un couple, je ne me montre pas telle que je suis, je me cache. Ou alors, pour être moi, il faut que je sois seule. Et donc, je balance d'un côté à l'autre. D'accord. Je me suis éloignée d'un groupe spirituel qui avait pris une grande importance pour moi ces dernières années. Je voudrais savoir pourquoi, malgré tout, je reste fort attachée à ce groupe et j'ai du mal à couper les liens. D'accord. Et alors, ce groupe est mené par un couple qui canalise. J'aimerais savoir ce qui est canalisé et l'objectif des entités canalisées. D'accord. Alors, j'ai une enfance malheureuse. C'est difficile pour moi de grandir auprès de mes parents. Et je voudrais savoir si j'ai choisi mon incarnation, mes parents, et quelles ont été les raisons de ces choix.
D'accord. Alors, j'ai déjà vu que vous le faisiez, je ne sais pas si vous le faites automatiquement, mais je voudrais faire un tri dans les lignées, dans ce que j'ai Ouais. reçu de mes lignées paternelles, maternelles, etc. OK. Alors, point suivant, je voudrais examiner ma relation avec mon compagnon. Je voudrais savoir si on s'est connu auparavant, dans d'autres vies ou dans d'autres espaces. Est-ce qu'on a un karma à nettoyer, quelque chose d'autre à apprendre ou à réaliser ensemble? D'accord. Et alors, je vis pas mal de difficultés dans ce couple pour l'instant et je voudrais savoir quelles en sont les raisons inconscientes. D'accord. Concernant le nettoyage des lieux de vie, je voudrais préciser qu'on a trois lieux de vie. Il y a ma maison en Belgique. Il y a l'appartement de mon compagnon en France et une petite maison de campagne qui est dans la famille de mon compagnon depuis quelques générations. Et en fait, c'est dans cette petite maison de campagne que j'aimerais bien que vous alliez voir parce que l'ambiance, je trouve, est très lourde dans cette maison. Alors, je ne sais pas, elle appartient à mon compagnon, donc je ne sais pas s'il faut son accord subtil avant. Bah, disons que faire trois lieux de vie dans la même séance, tu vois, c'est un peu voilà, en principe on en fait un, bon, une maison secondaire éventuellement, mais bon, puis Alors, surtout si c'est le sien à lui en plus, tu vois. juste ma maison. On va se limiter à ce qui t'appartient à toi. Donc toi, tu as un appartement et une maison, c'est ça? Non, j'ai une maison et on est ensemble depuis 3 ans et moi j'avais ma maison, lui avait son appartement, donc et il a une petite maison de campagne. D'accord. Donc là où est-ce que vous vivez dans ton appartement, c'est ça? Dans ta Oh, maison? c'est entre la France et la Belgique, disons, les 2 tiers du temps dans ma maison en Belgique et 1 tiers du temps à D'accord. Grenoble. D'accord. OK. Alors, les 2 points suivants sont les 2 derniers points, c'est des événements qui sont passés dans ma vie que j'aimerais bien qu'on investigue. La première chose, c'est j'ai pris de l'ayahuasca, j'ai fait un stage d'ayahuasca. Il y a 10 ans, et je n'avais pas d'attirance particulière pour ce genre d'expérience, mais mes guides m'ont tellement poussée que j'y suis allée. Je suis partie dans un voyage initiatique de 3 jours, accompagnée de mes guides, donc je ne suis pas revenue pendant 3 jours, et j'en suis ressortie transformée, beaucoup plus consciente de ma multidimensionnalité. Donc, pour faire bref. Et qu'est-ce que tu veux savoir alors? Mais en fait, il y avait des choses. En savoir plus sur ce qui s'est passé, où je suis allée, qui sont mes guides, D'accord. des Et quand tu informations. dis que tu es parti Oui. 3 jours, où en fait, quand tu dis que tu es parti trois Alors, jours? j'étais là, mais Ah, tu veux dire que j'étais. sous l'effet de l'ayahuasca, tu es parti 3 jours, d'accord. Ah oui, 3 jours complets? Ah oui, d'accord. Je pas allée en voyant. Ok. Donc tu aimerais savoir ce qui s'est passé, c'est ça? Voilà. Tu te souviens toi de ce qui s'est passé? Tu te souviens où tu es allé? Alors, j'ai oublié, hein, ça fait 10 ans, il y a pas mal d'informations qui se sont diluées, mais j'étais bien consciente de ce qui s'était passé. Et puis, j'étais aussi consciente qu'il y a des choses que je ne pouvais pas ramener, ou des choses qui D'accord. nécessitaient pas d'être conscientisées. D'accord. Et alors, la dernière chose, c'est... À une expérience que j'ai vécue aussi dans ma maison, j'ai ressenti une envie irrésistible d'avoir des cristaux dans ma maison, alors que je n'avais jamais eu d'intérêt particulier pour les cristaux. Après en avoir acheté, je me suis endormie et j'ai été parcourue par une décharge électrique qui venait de l'un des cristaux, qui m'a traversé mon corps, qui s'est répandue sur le sol en pierre et qui s'est connectée à tous les cristaux du monde. Voilà, je sais Donc, mais si je pouvais avoir un regard plus élevé. tu m'as dit que tu as eu quoi? Un rayon électrique, c'est ça? J'ai pas bien compris. Qui venait de ces cristaux. Donc je me suis endormie la tête près d'un cristal
Et je me suis réveillée suite à une décharge électrique que j'ai reçue de ce cristal, dans mon sommeil, mais je me suis réveillée suite à ça. D'accord. M'a traversé le corps. Et qu'est-ce qu'il te dit qu'il était connecté à tous les cristaux du monde? En fait, c'est comme un rêve. Je sais pas, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon sommeil, que D'accord. m'a traversé le corps, que c'est. Et c'était une décharge, donc ça devait être physique parce que je me suis réveillée. J'ai vraiment senti la décharge. Mais je l'ai vu. Oui, je l'ai vu, enfin, je l'ai su, je savais. D'accord, ok. Bon, on va voir ce qu'on trouve. Très bien. Très bien. Est-ce que c'est bon pour toi? Pour moi, c'est parfait, oui. Bon. Alors, je me mets en muet, c'est ça. Voilà, alors je te demande de couper ton micro, s'il te plaît, oui. Voilà. Emmanuel, Oui. est-ce que tu es prête? Oui. C'est bon? Alors c'est parti. Maintenant, je compte de 1 à 3 et pendant que je compte, tu te diriges vers Marie. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. Je la vois comme un aigle en train de planer au-dessus de paysages, de nature, avec des maisons. Elle est en train de planer comme en visite et en observation. D'accord. Elle n'est pas fixe, elle se déplace. Mais tu la vois sous une forme d'aigle? D'oiseau. D'oiseau? D'accord. Mais c'est elle pourtant, mais On verra ça. sous forme d'aigle. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Elle est en phase d'observation tranquille. Il règne une atmosphère calme. C'est comme si j'observais la scène de l'extérieur, comme si c'était un tableau en fait que j'observais, sauf que elle est en mouvement dans ce tableau. Très bien. Et là, si tu te connectes à la partie physique qui est devant nous, qu'est-ce que tu vois? C'est une antenne. Sa partie physique est comme une antenne qui reçoit les informations de l'aigle. Donc là, tu la vois pleinement connectée à son aigle? Oui. D'accord. Elle reçoit aussi d'autres informations, d'autres endroits. Parce que l'aigle, il est au-dessus. Et je vois aussi que son antenne capte d'autres flux d'informations qui, eux, sont plus horizontaux et d'autres qui viennent plus d'en dessous. Comme si à chaque fois, il y avait des émanations d'elle dans d'autres mondes qui lui envoient des informations. Qui envoie des informations à son antenne de son corps physique. Mais le flux d'informations le plus important vient de l'aigle. Quand tu parles d'informations de dessous, tu parles de où en dessous? Dans la Terre? Genre intra-terre? Qu'est-ce que tu veux? C'est en termes de fréquence, c'est pas géographique. D'accord. Ok, nous verrons ça tout à l'heure. Si tu la regardes énergétiquement, comment la vois-tu à l'intérieur et autour d'elle?
Donc là, je la regarde physiquement. C'est vraiment comme une antenne et comme si tous ses centres d'attention étaient tournés vers l'extérieur, dans la réception de tous ces signaux qu'elle reçoit. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses? Une connexion particulière avec le monde animal. Et il y a toujours cet aigle qui revient. Et en fait, chaque type d'information de chaque monde différent est envoyé par un animal, mais c'est symbolique. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, tu vas te déconnecter de Marie et puis nous allons procéder à notre protocole de connexion et de protection. Est-ce que tu es prête? Oui. Ta fréquence. 35. 35 000. Très bien. Alors, augmente ta fréquence au niveau idéal pour cette séance. Cent vingt. 120. D'accord. Tu te connectes à moi. Oui. Et tu me dis à combien je suis. 35 aussi. Très bien. Alors, je monte aussi à ma fréquence idéale. Je m'aligne à toi. C'est fait. Parfait. À présent, tu vas te reconnecter à Marie. Oui. Et tu vas déjà l'identifier. Regarde son ADN éthérique. Vérifie qu'il s'agisse bien d'elle. Ah oui, c'est elle. Très bien. Tu vas appeler son soi supérieur. Il est là, il est un peu au-dessus de l'aigle. Comme s'il observait la scène d'une perspective d'encore au-dessus. Il est dans quelle dimension là? La 12e. Il vient de quelle dimension? 24. D'accord. Alors demande-lui pour s'il sait pourquoi nous sommes là. Oui, il le sait. C'est comme une attente de confirmation de ce que Marie connaît déjà. D'accord. Est-ce que il y a quelque chose qui peut nous faire savoir, qui pourrait nous aider pour cette séance? C'est presque si elle savait déjà tout, en fait. Les connexions sont là. C'est comme si elle voulait faire des vérifications. D'accord. Ok. Donc tu vas appeler maintenant son âme. Oui. Comment la vois-tu? Un peu stressée, comme si elle n'avait pas connaissance de tous les éléments.
Elle n'est pas exactement alignée sur le corps physique. D'accord. Est-ce que... Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Oui, pour justement procéder à cet alignement. Et elle est en attente. D'accord. Et elle sait ce qui s'est passé pour que cet alignement n'ait pas lieu ou n'ait plus lieu? Il y a eu comme plusieurs phases avec des moments où il y a eu alignement et des moments où cet alignement n'était plus. Comme s'il y avait des parties d'elle qui avaient fait des prises de conscience, avancées, et que son âme n'est pas... C'est étrange ce que je vais dire, mais n'est pas au courant de tout, qui a besoin de s'ajuster, de rééquilibrer. D'accord. Ok. Bon. Eh bien, écoute, tu vas revenir vers Marie. Oui. Et tu vas chercher. Alors, donc, son âme dit qu'il y a des moments où elle était connectée et d'autres où elle ne l'était pas. Oui. On est d'accord? Bon, tu vas chercher les moments où elle est connectée. Trouve un moment où elle est connectée. Je ne sais pas si c'est dans cette vie ou une autre, mais trouve ce moment. Le premier moment qui m'arrive, c'est quand elle est fœtus dans le ventre de sa maman. Là, elle est connectée. Oui. Très bien. Et alors, si tu avances vers un moment où elle n'est plus connectée. C'est à quel moment? Dans l'enfance, il y a eu des moments de déconnexion. Comme des moments d'émotion forts, mais pas dans le bon sens, des colères ou de la tristesse. Là, il y a eu des éloignements. Puis à nouveau, il y a eu reconnexion. Et puis, il y a eu d'autres moments où la partie physique de Marie, en fait, part en quête de connaissances, d'autres choses, c'est comme si elle allait faire des expériences de son côté. Et comme si elle se dispersait quelque part. Et que lors de ces recherches qui entraînent de la dispersion, il y a l'âme d'un côté, sa partie subtile de l'autre, sa partie physique encore ailleurs. Et puis à nouveau, il y a réalignement. Il n'y a pas de stabilité, en fait. C'est comme une recherche incessante qui à chaque fois déconstruit. Et puis il y a un réalignement, une reconstruction. D'accord. Comme ça, tout au long, au fil des années. Ok. Alors, est-ce que tu vois en elle une programmation qui fait que ces déconnexions ont lieu? Pas spécifiquement, mais il y a une grande curiosité, un besoin de savoir. Un besoin de savoir à tout prix. Et si toutes les parties de moi ne suivent pas, bah tant pis, j'y vais quand même et on se retrouvera après. Et je transmettrai l'information après pour la réunification. Donc c'était un choix personnel. Oui. Ok.
Donc ça devrait être, ça devrait faire partie de son expérience de vie et ça doit être enrichissant pour elle et pour ses autres parties. Ça l'est, mais en même temps, ça alterne avec des périodes de flottement. Mmh. Pour elle et pour son âme. Oui. Ça fait comme des vagues et des creux. Mais ça finit toujours par se rééquilibrer. D'accord. Et sa soif de connaissance, de besoin de savoir à tout prix, c'est la seule raison de ce comportement? Est-ce que tu y vois des causes ésotériques à ça? Regarde. Elle est venue pour ça. Alors, il y a comme il y a elle d'une part qui a cette soif d'apprendre, de découverte, d'aller explorer. D'une part, il y a ce type d'énergie-là qui rencontre en face des énergies de dispersion qui, si elles le peuvent, tentent de disperser Marie et de mettre comme une brume dans son esprit pour que le réalignement ne se fasse pas. Et quand tu parles d'énergie de dispersion, de qui, tu parles de qui? C'est les énergies basses qui sont à l'œuvre sur notre plan physique et qui entrent et pénètrent dans toutes les failles que peuvent laisser s'entrouvrir les humains. D'accord, mais quand tu parles d'énergie, tu parles d'entité, en fait. Oui. Hein ? Ouais, d'accord, ok. Donc là, ces entités, tu les vois dans la périphérie de Marie, c'est ça ? Elles sont en train de, comme à l'affût, en train de guetter, au cas où il y ait une faille que l'on puisse éventuellement agrandir et qui ne se referme pas. Et qu'on puisse pénétrer là. Très bien. Et est-ce que c'est ce qui s'est produit à chaque fois qu'elle a eu cette déconnexion? Ça a été une faille qu'ils ont exploitée pour la déconnecter? Oui. Très bien. À chaque fois, il y a eu rééquilibrage plus ou moins complet. Oui, parce qu'elle travaille sur elle. Donc, oui. Elle rétablit les choses. À chaque fois, elle rétablit. Mais à chaque fois, elle retombe dans sa faille. Oui, à chaque fois, elle rétablit. Et puis, à nouveau, il y a des failles. Mais quelquefois, le rétablissement, le retour à l'équilibre n'est pas total. C'est-à-dire que son espace énergétique est comme fissuré par endroits. Si je la regarde d'un point de vue énergétique, ça fait pas une boule bien compacte et intraversable. Il y a des creux, des bosses et des failles. Okay. Et paradoxalement, en même temps, c'est ce qui lui permet d'explorer encore plus loin, puisque ces failles qui se créent et qui sont susceptibles de laisser pénétrer des entités dans son espace énergétique, elle-même s'en sert de ces failles pour comme sortir d'elle-même, pour aller explorer encore plus loin, d'autres mondes. Comme si elle envoyait des émanations d'elle-même en exploration. Donc elle se sert de ses failles, ça veut dire qu'elle en a besoin? En réalité, elle n'en a pas besoin, mais c'est l'opportunité.
elle le considère comme une nouvelle expérience, mais ce sont, puisqu'il y en a plusieurs, ce sont des expériences qui peuvent s'avérer risquées. C'est une aventurière intrépide, c'est ça? Oui, dans les mondes subtils, oui. Ok. Alors, ces entités qui bénéficient, qui profitent de ces failles et qui y parviennent de temps en temps, elles sont là depuis quand? La toute première fois où elles sont apparues dans la vie de Marie, ou peut-être ailleurs, quand était-ce la toute première fois? C'est quand elle est bébé, à un Oui. moment où elle est en état de frustration parce qu'elle a faim. Donc ça, c'est la première faille. Oui, elle pleure. Elle pleure en attendant le biberon, la prise de nourriture. Oui. Il y a un état de frustration, de colère. Et là, ça crée une faille. Très bien. Donc ça, c'est la toute première fois. Oui. Est-ce que entre deux vies ou dans d'autres vies, elle a eu la même faille? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a de cette vie-là ou qu'elle ramène d'autres vies? En fait, ce que je perçois aussi en parallèle de ce que je suis en train de dire, je perçois qu'elle est accompagnée aussi par des serpents qui ondulent. D'accord. Alors, quand tu dis accompagnée, c'est qu'ils sont des compagnons ou elle est consciente de leur présence? Non, ils sont comme collés. Sur son espace énergétique et des parties serpentines s'infiltrent par les failles, ondulent et ressortent. D'accord. Et ça, depuis quand? C'était quand la première fois ça? Alors, dans cette vie-là, c'est depuis cet instant de frustration quand elle était bébé par rapport Oui. à la nourriture, l'attente de la nourriture. Oui. Et je regarde encore avant. Oui, regarde avant. Avant aussi, ça me ramène jusqu'à une pyramide Ah. dans la forêt vierge. Une pyramide. Voilà. Amérique du Sud. On y est. Ça, c'est la toute première fois. Oui. Ok. Alors, sous quelle forme tu la vois, là, Marie, en Amérique du Sud, vers cette pyramide? Une femme. Homme. Oui. Quel âge, là, dans cette scène? 35. 35-40, ouais, 35-40 ans environ. Il va tenter une expérience de contact avec les mondes subtils et il va s'enfermer dans une pyramide. Très bien. Alors, avant de continuer, comment s'appelle-t-il? Tequelka. Ça s'écrit comment? T-E. Il y a des K, mais je ne sais pas où. C'est pas grave. T-E-K-U-E-L-K-A. Oui. Ouais. On va dire ça. Hein? Tequelka. C'est pas le plus important. Très bien. Donc, il va s'enfermer dans une pyramide pour faire des expériences de contact avec les mondes subtils.
Oui. Très bien. Il était déjà intrépide à cette époque. Oui. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe là quand il s'enferme dans la pyramide? Il fait une sorte de rite. Il fait brûler quelque chose comme de l'encens. Il boit un breuvage. Et son esprit se dilue dans les volutes de fumée. Oui. Et son corps physique est dans la pyramide, tandis que son esprit voyage. Est-ce qu'il fait cette expérience tout seul? Seul, oui, mais il est accompagné par un prêtre qui dirige en quelque sorte la cérémonie. D'accord. Mais le prêtre reste présent. C'est juste l'esprit de Twelka qui s'envole, qui monte. D'accord, le prêtre supervise l'opération, quoi. Son esprit est comme les volutes de fumée, et dans ces volutes de fumée, de son esprit vient s'enrouler l'esprit du serpent. Ah. Ça, Et c'était prévu ou pas? ça fait partie de l'expérience. Les deux volutes s'entremêlent, s'enroulent l'une dans l'autre. Il me Oui. dit que c'est le serpent sacré. D'accord. Qu'est-ce qui se passe après? La volute du serpent et la sienne tournent l'une sur l'autre. Ça fait comme une sorte de danse. Ça tourne et ça monte. Comme une spirale qui, quand elle est arrivée à un certain niveau, voyage. Il y a d'abord une montée et ensuite un voyage. D'accord, ok. Alors regarde où est-ce qu'il voyage, où est-ce qu'il l'emmène ce serpent? Il commence par l'emmener au-dessus de la forêt. Et ça monte, ça monte, ça monte. Il va lui faire visiter d'autres mondes, comme une sorte de cité avec des palais très riches. Les murs sont... Certains murs sont dorés, d'autres sont translucides. Ce que je perçois, c'est que la volute de son esprit s'appuie sur la volute du serpent sacré pour pouvoir voyager. Très Ça bien. lui sert de moyen de transport, en quelque sorte. J'aimerais que tu vérifies là, dans ces autres mondes, avec ces cités, des palais riches, des murs dorés, vérifie s'il s'agit d'un hologramme. C'est une création d'images qui flotte dans l'air. Parce que quand il passe à un autre monde, ça fait comme un miroir, ça disparaît.
D'accord. Alors, si tu regardes cette création d'image, elle est réalisée par qui? Regarde qui sont les créateurs de cette image. C'est une co-création des deux consciences. Du serpent et de Oui, lui. oui. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il l'a co-créé? Ça sert à quoi? Il lui montre ce qu'il veut voir. D'accord, le serpent utilise son intention pour lui donner ce qu'il veut, c'est ça? Oui. Et il lit dans ses pensées, et il lui mène sur un plateau ce qu'il a envie de découvrir. Oui. Quelle est l'intention du serpent quand il fait ça? De lui dire, regarde où tu peux aller loin et voir des mondes merveilleux avec moi, si tu restes avec moi. Je t'emmène là où tu veux. Je te protège, tu es en sécurité et je peux t'emmener là où tu veux. Tu seras toujours en sécurité sous ma protection. Très bien. Et regarde, lis dans l'intention du serpent. Tu peux lire son intention et voir qu'est-ce qu'il cherche exactement à obtenir. Regarde. C'est comme un jeu, il y prend du plaisir. D'accord. Mais est-ce qu'il attend autre chose derrière ça? C'est Peut-être. presque une sorte de jeu amoureux, en fait. C'est presque comme une sorte de danse amoureuse. D'accord, et c'est simplement le plaisir du jeu qui l'attire, ce serpent? Le plaisir du jeu et d'avoir ce pouvoir, cette sensation de pouvoir. Et l'humain est pour lui un instrument qui sur lequel il s'appuie pour la co-création. D'accord. Sans l'humain, il ne peut pas créer. Ah. Ok. Mais créer quoi? Créer ces images, ces hologrammes ou autre chose? Créer ses images et créer sa propre existence sur d'autres plans de densité. Et comment est-ce que l'humain l'aide alors? Qu'est-ce qu'il tire de l'humain pour arriver à ça? Son potentiel de création. D'accord, et comment s'y prend-il pour avoir ce potentiel de création? En démontrant à la conscience humaine qu'il est en train de séduire, que sans lui, cette conscience humaine ne pourrait pas faire ce type de voyage, ne pourrait pas aller aussi loin, ne pourrait pas voir tous ces mondes, ne pourrait pas avoir toute cette puissance. En fait, il veut se rendre, il cherche à se rendre indispensable, c'est ça? C'est Pour que l'humain ça. s'attache à lui, Oui. à travers la fascination. Oui. D'accord. Et le seul avantage qu'il en tire, c'est le potentiel créateur de l'humain. Sans ce potentiel créateur, il dépérit. D'accord. Est-ce qu'il lui en tire de l'énergie en même temps? Aussi, oui. Mais le potentiel créateur est en lui-même Une énergie. de l'énergie. D'accord. Ok. Alors maintenant, à partir de cette expérience, donc il va revenir, je suppose, dans son corps, dans la pyramide. Oui. Très bien. Et après ce retour, comment se sent-il?
Il l'emmène voir d'autres mondes aussi, plus sombres. D'autres mondes plus sombres. Dans lesquels il se place en protecteur. Ben oui. On avait compris. Bon, très bien. Et ces mondes, c'est lui qui les a créés aussi? C'est encore des autocréations? En partenariat avec l'humain? Ce sont des co-créations. D'accord. Ok. Donc là, maintenant, il rentre dans son corps. Il a fini cette expérience. Oui. Que devient le serpent? Son énergie reste là. Là où? Dans... En lui ou dans les autres hors de Non, l'ordre? Elle est sortie de l'humain, mais elle reste aux alentours, fortifiée, comme nourrie. D'accord. Repue. Et elle reste connectée à lui? Elle reste connectée à lui comme à tous les humains qui viennent ici. D'accord. Je vais te demander une minute. Donc on en est au retour. Le serpent reste dans sa périphérie sans se connecter à lui. C'est bien ce que tu as dit. Il a établi comme un traceur. Ce qui lui permet de sortir de l'énergie de l'humain, mais d'avoir toujours ce point de contact qu'il peut réactiver à tout moment. D'accord. Ok. Maintenant, si tu continues dans la vie, donc dans sa vie à lui, donc de TQLK, si tu vas jusqu'à la fin de sa vie, quelle vie il a eue à partir de cet événement? Quel genre de vie il a eue? Il devient lui-même une sorte de prêtre. Mmh. Par la suite, il est à l'initiative de cérémonies qu'il dirige à son tour. D'accord. Et il a une vie plutôt satisfaisante dans sa fonction de prêtre? Cette vie-là lui satisfait car elle lui confère cette notion de puissance. Et ça lui plaît. Très bien. Donc jusque-là, pas à se plaindre du serpent? Non. Ok. Et il a eu combien de vies entre celle-ci et celle de Marie aujourd'hui? Quarante-sept vies. Ok. Est-ce que ce serpent l'a accompagné dans ses 47 vies? Dans chacune, je vois l'ombre du serpent. D'accord. Et est-ce qu'il a eu que des vies satisfaisantes avec ce serpent? Non, cette vie-là était comme un appât. Une amorce, un appât. D'accord. Que s'est-il produit après au cours des 47 autres vies? Sans le détailler, bien sûr, mais globalement. Quel genre de vie il a eu après? Les vies d'après ont en point commun le fait d'avoir un sentiment d'insatisfaction, de frustration, de ne pas pouvoir utiliser son potentiel, de ne pas avoir accès à la connaissance, d'être fatigué. En perte d'énergie, l'esprit brouillé, comme une brume dans la tête. Et ça, c'est toutes les vies qu'il a eues ensuite,
Ces 47 vies sont caractérisées par ces points communs? Oui, c'est les points qui ressortent D'accord. dans les autres vies. D'où également la colère que ressent Marie aujourd'hui, puisqu'elle parlait de colère tout à l'heure. Est-ce que ça viendrait de là? Elle sent que... Elle n'a pas accès à toutes les informations. Que quelque part, elle s'est fait avoir parce qu'il y a ce sentiment qu'il y a quelque chose qui lui est occulté et qu'elle veut à tout prix découvrir. Et elle y met toute son énergie. Et elle y rajoute en plus l'énergie de la colère pour à tout prix découvrir ce qui est occulté et auquel elle n'a pas accès. Ok. Regarde-toi. Qu'est-ce qu'elle cherche exactement? Qu'est-ce qui lui est occulté? Regarde. Sa puissance. Elle est comme maintenue au sol, écrasée. Et il lui est occulté le fait qu'elle peut tout renverser. C'est le fait qu'il lui ait fait croire qu'elle avait besoin de lui, que sans lui, oui. Elle était perdue. Il a engrammé cet esprit. Oui. C'est ce qui lui donne ce sentiment d'impuissance. D'impuissance et de frustration. Très bien. Parfait. Mais la colère n'est pas la bonne énergie. Bien c'est sûr. Pour ça qu'elle n'arrive pas à renverser tout. Parce que la colère n'est pas la bonne énergie. Et non. Mais en tout cas, c'est ce qui est. Bon. On va revenir à cette vie de Tequelka. Oui. Et on va aller au moment où, avant même qu'il fasse cette expérience, donc d'entrer dans cette pyramide, tu vas te présenter à lui. Oui. Tu dis qu'on vient de son futur, d'une partie de loin, très lointaine, qui nous demande de l'aider, du fait des conséquences, des décisions qu'il va prendre et des choses qu'il va faire. Comment réagit-il? Tout son but et toutes ses pensées sont dirigées vers cette rencontre qu'il attend avec le serpent sacré. Il ne comprend pas. Bien sûr. Demande-lui s'il est suffisamment ouvert et curieux pour que nous lui expliquions et qu'il montre ce que nous avons à lui montrer, de ce qu'il attend dans son futur. Il est curieux, mais il ne veut pas renoncer à cette expérience. Mais on respecte, il ne renoncera pas à cette expérience. Et puis de cette sorte de rituel d'initiation dépend son avenir en tant que prêtre, et ça, il ne veut pas le remettre en question. Bien sûr. Mais est-ce que malgré tout, il accepte que nous lui montrions, on va dire, ce qui va se passer, ce qui va s'en suivre de toute cette expérience et de cette vie? Oui, il est curieux. Très bien. Alors montre-lui déjà ce qui va s'en suivre lorsqu'il va être dans cette pyramide, la rencontre avec ce serpent. Oh. Il se rend compte que c'est la danse de la mort. C'est la danse de sa mort spirituelle qu'il attend. Il s'en rend compte.
il a suffisamment de discernement pour se rendre compte de ça. Oui, mais il veut pas y croire. Il ne veut pas y croire. Alors qu'il regarde maintenant les autres vies qui vont suivre de celle-là, en conséquence de cette expérience et de ce qu'il va accepter au cours de cette expérience. Il le voit, mais ça crée comme en lui un état de stupéfaction. Et de colère. Et il reste comme immobile. Il ne sait pas quoi faire. Très bien. Alors, est-ce qu'il accepte que nous l'aidions ? Nous sommes là pour ça. Oui. Tu peux lui expliquer qu'il y a une solution à tout. Il n'est pas forcément obligé de renoncer à la vie qu'il espère, aux fonctions qu'il cherche à atteindre. Non, il ne veut pas y renoncer. Il n'en est pas question. Donc il accepte d'être aidé ? Oui. Très bien. Alors je vais lui proposer de se connecter à son être intérieur, à son essence originelle. Qu'il crée toutes les connexions. S'il ne sait pas faire, tu lui montres. Je lui montre parce que on lui a toujours expliqué que pour se relier à son essence, il avait besoin du serpent sacré. Eh oui, besoin de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il se connecte à son essence originelle ? Il devient fort. Il prend conscience de sa puissance. Parfait, c'est pas terminé. Maintenant, tu vas le faire s'ancrer. Tu le fais se connecter au cœur de la Terre-Mère pour créer l'équilibre des énergies. Il grandit. J'entends par là ses énergies. Il devient grand et fort. Ses énergies se déploient, c'est ça ? Oui. En puissance ? Oui. Très bien. Comment se sent-il à présent ? Fort et sûr de lui. Très bien. Alors, pour l'aider un peu plus dans la connaissance de soi, nous allons l'emmener carrément directement à sa source. Donc tu l'emmènes à sa source pour qu'il aille plonger à l'intérieur, qu'il se souvienne de qui il est, de sa souveraineté, de sa puissance créatrice, de son autonomie. Sa puissance, elle peut soulever des montagnes. Et qu'il profite pleinement de tout ressentir. De s'engrammer de tout, toute l'énergie, de tout le souvenir, de tous les ressentis de cet état. Comment tu le vois là ? Comment est-il ? Qu'est-ce qu'il vit ? Il est dans une sorte de joie et d'exaltation de voir que, comme il est puissant, il est plus puissant que le serpent sacré. Ah, alors, il a encore l'impression d'avoir besoin du serpent ? Non. Et de ses autorités religieuses en bas ? Non, il les contemple d'en haut avec même un certain mépris. Très bien. Alors, tout en restant en contact maintenant avec ses sensations, avec ce regard, avec cet état d'être, sa souveraineté, sa puissance créatrice et son autonomie, il redescend dans son corps. Ça y est. Très bien. Maintenant, approche l'heure de cette expérience. Qu'est-ce qu'il décide de faire ?
Il décide de la faire quand même, l'expérience, mais de rester le maître. Très bien. Alors allons-y. Qu'il aille dans cette expérience. Il est donc dans la pyramide. Il sort de son corps. Qu'est-ce qui se passe? Il en serre le cou du serpent juste derrière la tête. Il l'immobilise. Et lui continue à monter. Il garde le serpent sous contrôle. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Pour l'instant, il le tient. Tu sais, avec ses mains, il serre fort juste derrière la tête du serpent. Il a à sa merci, presque il pourrait l'étouffer s'il voulait. Alors vas-y, suis-le. Dis-moi, où est-ce qu'il va comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il garde ce serpent à sa merci, dans une seule main. Et il voyage lui-même. Il parcourt les mondes. Et ensuite? Ensuite, il revient à son corps. Et juste avant de réintégrer son corps, il balance le serpent, qui est tout petit, qui a perdu sa force. Et il revient à son corps. Très bien. Alors maintenant, il sort de cette expérience, il sort de cette pyramide, et qu'est-ce qui se passe pour lui? Il devient prêtre. Mais c'est le seul prêtre qui n'a pas cette connexion. Il n'a pas ce marqueur. Il est libre. Oui, et c'est le plus respecté des prêtres. Très bien. Il est le seul à savoir pourquoi. Il en sourit intérieurement. Parfait. Va à la fin de sa vie maintenant et dis-moi à quel âge il quitte ce monde. Soixante-quinze ans. D'accord. Quel genre de vie il a eu alors? Une vie de prêtre respecté. Satisfait, épanoui. Oh oui, tout au long, il a gardé le contrôle. Tout au long de cette vie, il a surveillé du coin de l'œil le serpent. Et il s'en est préservé. Très bien. Alors, là c'est le moment où il quitte son corps. Il part haut et loin. Il connaît le chemin. Très bien. Il va là où il a l'habitude d'aller. Alors, on a vu que dans l'ancienne configuration, l'autre ligne de temps, puisqu'il s'agit maintenant d'une nouvelle, il a eu 47 vies entre celle-ci et celle de Marie. Dans cette nouvelle configuration, combien est-ce que tu en vois? Il ne voit pas l'intérêt d'avoir autant d'expérience sur ce plan terrestre. Il va visiter d'autres plans d'existence. Très bien. Et en termes de vie humaine, alors combien est-ce qu'il en connaît jusqu'à Maria, Marie? Sept. Parce qu'il veut expérimenter
la masculinité, la féminité. Et après avoir expérimenté la puissance, il souhaite voir la faiblesse. Il souhaite expérimenter d'autres civilisations, d'autres types de vie. Mais entre chaque vie humaine, il va sur d'autres plans. D'accord. Quand tu dis qu'il veut expérimenter la faiblesse, est-ce que c'est un des objectifs de sa vie de mari? La vie de mari est comme une sorte de synthèse. La faiblesse, il l'a expérimentée avant la vie de mari. Très bien. Parfait. Alors, je veux qu'il traverse toutes ses vies maintenant, ses nouvelles vies, dans ce nouveau programme. Et dans toutes ses vies, il a gardé la conscience de qui il est, sa souveraineté, son autonomie, sa créativité. Oui, il a cette capacité à se retrouver lui-même, se centrer lui-même, se rééquilibrer. Très bien. Alors avec toutes ces belles capacités, il va être dans le ventre de la maman, donc en tant que mari. Oui. Comment tu le vois? Comment tu la vois maintenant, puisque c'est féminin? C'est l'expérience féminine du coup? Comment est-ce que tu la vois dans le ventre de sa maman? Tranquille, satisfait d'être revenu sur ce plan. Très bien. Donc dans la conscience de qui il est, sa lumière, sa souveraineté, etc. Oui. Il peut maintenant regarder, puisqu'il a pris un corps biologique, il peut regarder l'arbre généalogique, donc de la famille dans laquelle il s'incarne. Et il va regarder tous les programmes, toutes les inscriptions, toutes les mémoires, toutes les énergies, y compris les émotions qui ne lui sont pas utiles, qui lui sont même peut-être nuisibles pour sa vie humaine. Il va faire un tri et il va garder ce qui lui convient. Il fait un tri parce que la vie de Marie est une synthèse. Oui. Il convient d'éliminer ce qui est superflu, voilà. Inutile et néfaste. Très bien. Alors qu'il le fasse dans ses racines, dans le tronc, dans les branches, partout. Il coupe beaucoup de branches mortes, fatiguées, malades. Il soigne aussi à l'intérieur des branches, comme des galeries qui ont été faites par des insectes. Très bien. Tu me dis quand il est terminé. C'est bon. Parfait. Maintenant, il va s'occuper de son ADN. Il va faire la même chose. Il va trier son ADN. Alors, tout ce qui ne lui appartient pas, tout ce qui ne lui sert pas, qui peut être limitant, ou tout ce qui peut créer des dysfonctionnements dans sa biologie, qu'il regarde sur tous les plans, mental, émotionnel, physique, causal ou autre. Il reste des bribes d'expériences des vies passées, comme des essais non aboutis qui ne sont plus utiles. Très bien. Il les élimine? Oui. Parfait.
c'est comme une sorte de délagage aussi de purification, revenir à l'essentiel. Absolument. Quelle part neuve dans cette expérience de vie, dans sa forme féminine. Voilà, c'est plus clair maintenant, plus net. Très bien. Et maintenant, une dernière chose avant de venir au monde. Elle va envoyer de l'énergie d'amour à sa maman et à son entourage. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour sa maman ? Au niveau de la lignée de la mère, il y a eu des... mais même du père aussi, mais je vois plus dans la mère. Il y a eu des interférences insectoïdes. Et c'est pour ça qu'elle a nettoyé ses canaux avec les insectes tout à l'heure dans l'arbre généalogique. Et qui faisait les trous. Oui. Mmh. Ça avait fait des trous dans l'énergie maternelle. D'accord. Donc tout est réparé ? Oui, parce que la boule d'amour qu'elle expanse et qu'elle envoie tout autour d'elle, ça vient réparer. Très bien. Tu me diras quand c'est terminé. C'est fait. Très bien. Maintenant, elle va venir au monde. Elle est venue sécuriser en fait la sphère énergétique de sa mère. Ok. Alors maintenant, elle vient au monde. Oui. En tant que bébé. Comment tu la vois alors comme en tant que bébé ? Toujours dans le même état d'esprit, sereine, déterminée et curieuse. Mmh. Très bien. Maintenant, tu la vois dans son berceau. Oui. Donc, c'était le moment où elle était pleinement connectée encore. Et tu avances toujours jusqu'à l'événement qui a eu lieu de ce serpent qui était venu s'approcher d'elle. Et dis-moi comment maintenant elle réagit. Qu'est-ce qui se passe ? Sa sphère énergétique est tellement puissante que rien ne peut s'approcher. Parfait. Donc maintenant, tu vas la faire grandir. Elle va grandir, elle va traverser chaque seconde de sa vie. Donc de sa vie de mari, avec cette nouvelle configuration, ce nouveau ressenti, état d'être, ce nouveau regard, de sa souveraineté, de sa puissance créatrice, tout en étant curieuse, bien sûr, et de son autonomie. Elle traverse chaque seconde qu'elle reprogramme de tout ce qu'elle a vécu jusqu'à aujourd'hui. Elle est très curieuse et elle prend à chaque fois le soin de vérifier la vitalité de sa sphère énergétique. Bien. Tu me dis quand elle est arrivée ici et maintenant ? C'est comme si à des moments elle traversait des tempêtes, mais sans dommage. Mmh. C'est bon. Très bien. Maintenant, on va lui demander de s'arranger pour intégrer tout cela, cette toute énergie, conscience, dans son plan physique, dans ses cellules, dans son ADN, dans ses organes, ses systèmes, ses fonctions, dans tous ses corps, que tout s'intègre au maximum. Ça vient... c'est comme s'il y avait une expansion d'elle-même d'un point de vue énergie. Mmh.
Elle, c'est, ça fait une dynamisation. Très bien. Si tu regardes ces corps maintenant énergétiques, est-ce que tu y vois encore les fissures que tu voyais dans l'ancienne ligne de temps? Non. Il n'y a plus rien. Elle est Non, nickel. non, c'est très lumineux, fort, puissant. La puissance part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, Mais y a rien qui peut traverser. il n'y a plus d'instabilité, il n'y a plus Non. de cet effet yo-yo que tu as vu tout à l'heure. Non. C'est terminé. Elle est stable. Très bien. Alors maintenant, nous allons nous occuper de l'ancienne ligne de temps qui coexiste encore, bien sûr, sur l'autre plan. Donc nous allons l'éliminer et on va déclarer que tout ce qui lui est afférent, tout ce qui est relié à elle, dans les plans les plus subtils, dans toutes les vies, dans tous les plans, surtout toutes les fréquences, que tout ce qui lui est relié, aussi sur les plans physiques, etc., en fait, de près ou de loin, connu ou inconnu, que maintenant tout s'élimine complètement, parfaitement, définitivement. Je compte à trois et tout se dissout. Tout se dissout. Un, deux, trois. C'est parti. Très bien. Maintenant, tu vas vérifier s'il reste des traces ou des mémoires quelque part. Regarde son corps mental. Est-ce que tu en vois des traces ou des mémoires? Ou des empreintes? Son énergie est tellement puissante que c'est venu tout transmuter. Très bien. Regarde quand même son corps émotionnel. Est-ce que tu y vois des émotions comme la colère, comme la frustration qui existaient auparavant? Est-ce que tu en vois au moins des traces, des mémoires? Il y a simplement des mémoires. Très bien, on va les éliminer. Je compte à trois, il n'y en a plus besoin. Un, deux, trois. C'est parti. Parfait, regarde son corps physique maintenant. Regarde si tu vois des cristallisations ou des énergies mal qualifiées issues de cette ancienne ligne de temps ou autre chose. Tu scannes toutes les parties d'elle-même. Au creux de l'estomac, il y a comme un vide. Ok. Alors ce vide, elle va le remplir de sa propre essence. Là, elle se sent complète de l'intérieur. Ce vide, c'était ce besoin de manger, c'est ça, cette faim qu'elle avait? Le besoin de se remplir? Pas de la faim, c'est besoin de remplir. De se remplir. Hein? C'était ce vide. Mais là, il n'y a plus là. Hein. C'était. Ok. Bon, regarde s'il en reste maintenant des empreintes ou des mémoires, maintenant que tu as. Qu'on a rempli le vide. Non, parce que de l'intérieur. Il y a ce socle de sérénité et de complétude qui est installé là. Très bien. Alors, je vais prendre sa liste. Voilà. Alors, donc, le fait qu'elle ait de la fatigue, du manque d'énergie. Donc, je pense qu'on comprend pourquoi. Maintenant, regarde s'il y a d'autres causes. Est-ce que tu vois des causes physiques ou autres, en plus de ce que nous avons vu? Non, son énergie était volée par le serpent. Eh oui. Ça partait dans les fissures. Donc dans sa liste, il y avait la colère. Bon, ben la colère, il n'y a plus. Voilà. Et on comprend pourquoi il y avait cette colère. Est-ce que tu vois d'autres raisons que celles que nous avons vues? Non, c'était ça. Très bien. Au niveau de ses reins, il y avait une faiblesse. Elle avait des cystites à répétition. Qu'est-ce que tu vois? Manque d'énergie,
manque d'énergie. Comment tu les vois maintenant, ces reins? Maintenant, ils sont bien. Son énergie est vraiment puissante. Je préfère vérifier. Est-ce que tu y vois quand même des empreintes ou des mémoires de cette ancienne énergie? Au niveau du corps physique, il y a comme une petite faiblesse au niveau du système urinaire. Bon, quelle demande à l'élémental de son corps de s'en occuper, d'y envoyer de la force de vie et de faire ce qu'il faut pour rééquilibrer et harmoniser tout le système. Elle est en train de le faire. Très bien. Alors, le fait qu'il y ait ses intestins et des inflammations, qu'il y ait des constipations, qu'est-ce que tu vois dans ses intestins? C'est tout lié. Je m'en doute. À partir du moment où il y a un manque d'énergie, ça vient affecter toutes les fonctions vitales. Les fonctions des reins, système urinaire. Comme elle est fatiguée, elle mange. Le fait de manger, ça entraîne une suractivité qui n'est pas correcte au niveau de la digestion, qui entraîne un état d'inflammation. Et au niveau intestinal, des désordres, c'est comme des réactions en chaîne. D'accord. Maintenant, si tu regardes ces intestins, comment tu les vois? Elle est en train d'envoyer de l'énergie sur les mémoires de l'inflammation. D'accord. Ils étaient comme enflés, tu sais, ou gonflés. Et enflammés. D'accord. Donc là, il fait ce qu'il faut pour tout réharmoniser. Ça, c'est les mémoires qui restent au niveau du corps physique. Ok. Bah, on va l'aider à enlever ses mémoires. Je vais compter à 3 et on efface tout. Allez, 1, 2, 3. Ça y est. Est-ce qu'il reste de l'inflammation ou il n'y en a plus du tout? Non, c'est parti d'un coup. Ok. Mais sur le plan physique, ici et maintenant, est-ce qu'il peut y mettre un baume ou quelque chose pour réduire l'inflammation? Elle y met de l'argile. Mais au niveau de son ventre, c'est comme s'il avait dégonflé. D'accord. En ce qui concerne les constipations, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour stimuler justement cette fonction? C'était tout lié avec le reste. Donc c'est tout bon là? Oui. Ok. Donc là, Marie fait de la rétention d'eau. Donc, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Quelle était la cause de cela? Une tentative désespérée de son corps physique de garder l'énergie. D'accord. Parce que dans l'eau est contenue la mémoire et elle se sentait vidée de son énergie, vidée de ses mémoires, vidée de ses mémoires de vitalité. Il fallait qu'elle en garde le plus possible avec elle, en elle. Très bien. Je suppose qu'aujourd'hui, il ne reste plus rien de cela? Non, elle a comme désenflé le ventre, c'est aplati et elle est désenflée. Très bien. Regarde si s'il en reste une mémoire ou une empreinte de ça. Non. Ou une programmation dans son corps mental. Non. Non plus. C'était juste une conséquence. Ok.
Regarde ces systèmes circulatoires, le sang, la lymphe. Ça recircule normalement. Tout circule bien. Oui. Ces méridiens, etc. Oui. Sans. La rétention d'eau avait une conséquence néfaste sur les systèmes circulatoires et lymphatiques, mais maintenant c'est rétabli. Parfait. Inflammation des gencives et des caries. Si j'ai ton carie, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? D'où ça vient? Manque d'énergie. Tout simplement. Oui. Bon, que sont l'élémentaire envoie de la force de vie dans tout ça, gencives et dents, qui redonnent de l'énergie. Elle envoie un rayon laser d'énergie dans sa bouche, sur ses Bien. gencives et dans la pulpe de ses dents. Très bien. Ok. Alors, les difficultés qu'éprouve Marie à aller vers les autres, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Tellement occupée à sauvegarder sa propre énergie, elle en a plus assez pour aller vers les autres. C'est une dépense inutile. D'accord, elle se protège. Oui. Elle préserve. D'accord. Aujourd'hui, comment tu la vois? Sereine, bien ancrée en elle-même et ouverte aux autres. Très bien. Si tu la regardes dans son futur, à un moment de son futur, quelques mois ou années, peu importe, comment tu la vois en relation avec les autres maintenant? Gaie, enjouée, avec des amis, en train de rire, de sortir, de se promener, d'avoir des activités. Très bien. Et elle y prend du plaisir. Alors encore une chose, elle est attachée à un groupe spirituel duquel elle s'est, enfin elle était attachée, duquel elle s'est détachée. Et enfin, elle se demande pourquoi en fait elle est encore attachée. Elle s'en est départie, mais elle se sent encore attachée à ce groupe. Qu'est-ce qui se Elle ne l'est passe? plus maintenant. Elle ne l'est plus? Non. Elle D'accord. y était rattachée par l'énergie du serpent. D'accord. Dans ce Ok. groupe, il y a l'énergie du serpent. Alors justement, donc c'est justement un couple qui canalise dans ce groupe. Et elle voulait savoir qu'est-ce qu'ils canalisent exactement. Tu peux aller voir ce qu'ils font. L'énergie du serpent. C'était le serpent. Il y a des ondulations de serpents vertes avec des écailles en eux et au-dessus d'eux, autour d'eux, D'accord. parasités par l'énergie du serpent. Un nid de serpent, quoi. Oui. Très bien. Donc, est-ce que tu vois que dans le futur, ça va se rapprocher de Marie ou pas? Non, elle en est détachée complètement. Je m'en doutais, mais bon. Alors, elle veut savoir pourquoi elle a choisi ses parents. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi les parents qu'elle a là? Quelle a été les raisons de ce choix. Si tu vas au moment de son incarnation, au moment où elle décide de s'incarner, qu'est-ce qui la motive à choisir ses parents? Regarde. C'était lui donner l'occasion de faire la synthèse des expériences passées et de couper, d'éliminer ce qui ne lui correspond plus. C'était la façon de le matérialiser dans le physique. Très bien. Ok. Alors, elle a un compagnon. Elle peut savoir s'ils se sont déjà connus tous les deux. Ce compagnon me ramène dans cette vie
dans cette forêt avec la pyramide. Quel rôle jouait-il à ce moment-là? C'était un prêtre, lui aussi. Est-ce que c'est lui qui supervisait l'opération lorsqu'il était dans la pyramide? Non, elle l'a rencontré par la suite, quand elle-même est devenue prêtre. Celui qui est son compagnon maintenant est devenu prêtre à son tour par la suite, et c'est là qu'ils se sont connus. Et c'est Marie, en quelque sorte, dans cette vie-là, qui s'est occupée de lui, qui l'a intronisé en quelque sorte en tant que prêtre à son tour. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de se retrouver dans cette vie? Une grande affinité entre eux, mais lui n'a pas suivi le même parcours. Il y a en lui l'énergie du serpent sacré. Cela crée des dissonances, comme s'il n'était pas au même niveau de conscience. Mais le lien qu'il y a entre eux est en train de rééquilibrer tout le temps. Dissonance, rééquilibrage, dissonance, rééquilibrage. C'est la raison des difficultés du couple? Oui. Très bien. On va l'appeler. Est-ce que tu peux l'appeler qui se présente devant nous? Oui. Identifie-le, regarde qu'il s'agisse bien de lui, regarde son ADN éthérique. Oui, c'est lui. Très bien. Il sait pourquoi il est là? Il est toujours à proximité de Marie. Très bien. Est-ce qu'il a vu ce que nous avons fait sur Marie et avec Marie? Oui. Qu'est-ce qu'il en pense? Il voudrait faire pareil. Bon, ben c'est bien. Alors tu peux lui dire qu'il est capable, c'est possible qu'il le fasse. Tu lui dis qu'il regarde tout ce qui s'est passé depuis tout le début, même dans l'expérience de vie donc en Amérique du Sud, sous la forme de TQLK, qu'il voit tout ce que Marie a découvert, le fameux serpent sacré et tout le reste. Et il peut suivre le même processus. Bien sûr, il le fera à sa façon. Pas exactement décalqué, mais il en comprend le principe. Il peut voir tout ce qui s'est passé entre ses vies et aujourd'hui. Et faire exactement le même nettoyage, les mêmes rééquilibrages. Est-ce qu'il accepte de le faire? Oui, mais il y a aussi des réticences. Ça sera plus long pour lui. C'est quoi ces réticences? C'est comme s'il tirait des bénéfices secondaires auxquels il n'a pas envie de renoncer. De quel genre? Il est comme dans une sorte d'habitude de cette présence et de cette interaction avec cette énergie du serpent sacré qui à la fois crée ces dissonances et qui à la fois lui donne ce sentiment d'avoir raison. Et quelque part, il n'a pas envie de renoncer à ça encore pour l'instant. D'accord. Mais comme il tient à ce lien qu'il a avec Marie, c'est en attente, en quelque sorte. Ok.
Demande-lui s'il veut se prêter à une expérience. Oui. Alors, tu vas lui proposer de se connecter à son essence, comme l'a fait Marie à son époque, et à s'enraciner en même temps. Il peut même voyager à sa source, comme l'a fait Marie, faire exactement la même chose. Je vois son énergie qui devient lumineuse, blanche et puissante. Très bien. Il retourne dans son corps avec toute cette puissance et cette souveraineté. Oui. Il prend bien le temps de tout ressentir. Comment se sent-il maintenant? Bien. Bon. Il a encore besoin de ses avantages secondaires? Ils lui paraissent faibles à présent. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il est en face de Marie. Et là, tout de suite maintenant, ils sont sur la même longueur d'onde, exactement. Très bien. Il y a encore le serpent avec lui? Non. Bon. Ok, alors il peut rester avec nous pour la douche énergétique s'il veut, et on va continuer. Donc, ils ont deux maisons, enfin, une maison, un appartement. Hein. J'aimerais que tu regardes son appartement, déjà. Dis-moi comment tu le vois, énergétiquement. L'appartement de qui? L'appartement de Marie. C'est la maison, Marie, c'est ça? Ah, alors l'appartement, c'est lui? D'accord, alors l'appartement, c'est le sien à lui. Donc regarde son appartement, puisqu'ils habitent les deux en même temps. Enfin, alternativement. Comment tu vois l'appartement? De son compagnon? Oui. Il y a des dissonances. Qui sont dues à quoi? À l'énergie du serpent. Très bien. Alors, ils savent quoi faire maintenant? Ils peuvent s'y mettre tous les deux. Hein? Ils vont oui. Réharmoniser les lieux, fermer les portails s'il y en a, rééquilibrer, faire la tornade, y mettre des fleurs de vie. Ils s'y mettent tous les deux, ça va très vite. Voilà, hein? Fleurs de vie, graines de vie, ils mettent le diamant, enfin tout. Ils prennent l'information, ils savent comment faire. C'est fait. Parfait. Maintenant, on va dans l'appartement, dans la maison donc de Marie. Comment tu la vois? Elle ondule. C'est quoi cette ondulation? C'est aussi l'ondulation du serpent. C'est les mémoires du serpent, c'est ça? Oui. Ou il est encore là? Non, c'est les mémoires. Très bien. Alors, on les élimine. Allez, à trois. Un, deux, trois. C'est fait. Que vois-tu d'autre? Si tu fais le tour de la maison? Non, plus rien. Il y avait... Elle a tout expulsé, en fait, d'un coup. D'accord, tout est nettoyé, il n'y a pas de portail, il n'y a rien du tout. Bon, ben, elle refait la même chose avec son compagnon. Ils vont faire la même chose que pour l'appartement. Tornade, fleur de vie, graine de vie, diamant. Ça y est. Comment tu vois la maison maintenant? Lumineuse et calme. Très bien.
Alors, elle a pris de l'ayahuasca. Donc, c'est les guides qui l'ont poussée à prendre cette substance. J'aimerais te voir à ce moment-là, voir ce qui s'est passé exactement. Qui sont ces guides qui l'ont poussée à prendre cette substance? C'est à nouveau ce même type d'énergie, des émanations du serpent sacré C'était lui qui qui l'a l'ont poussé. incité à se reconnecter toujours à ce même type d'énergie. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est produit pour elle quand elle a pris cette substance? Des voyages, une expansion de conscience. C'est comme si elle était dans un appartement dont la lumière était éteinte. Et ces énergies-là lui ont allumé la lumière. Sauf que c'est de la lumière artificielle. D'accord. Donc, une Ces illusion alors. voyages dans des mondes avec lumière artificielle. Donc, c'est le serpent qui l'a emmené là-bas, c'est ça? Oui. Qui a créé des hologrammes? Ou qui servait de l'imagination pour créer? C'est toujours le même principe de co-création. Comme au tout début. Oui. Mais ça D'accord. crée un sentiment. Ça crée chez l'humain qui vit cela un sentiment de Puissance. puissance et d'avoir la connaissance. Mais c'est comme une copie. C'est comme une copie. D'accord. Et dans le fond, ça crée le besoin de prendre une substance extérieure pour y accéder. Ça crée dans un premier temps la satisfaction d'avoir eu cette expansion de conscience. Et suivant l'humain qui vit ce type d'expérience, soit cela va lui suffire pour le reste de l'incarnation, soit cela va générer des besoins ou des désirs de reprendre ce type de substance pour revivre à nouveau cette expérience-là. Tu veux dire que ça peut créer une dépendance? C'est ça que tu veux dire? Une dépendance non pas physique, mais au niveau psychique, de toujours plus, toujours connaître plus. Ok. Alors, autre chose. Elle a eu à un moment donné une envie irrésistible d'avoir des cristaux. Et à la suite de ça, elle a eu des décharges électriques. Donc, ils lui ont traversé tout le corps. Elle s'est sentie connectée à tous les cristaux de la Terre. Regarde qu'est-ce qui s'est passé. Va voir cet événement. Regarde ce qui se passe. D'abord, qu'est-ce qui lui a donné ce désir d'avoir des cristaux? Elle me montre une grotte. Une grotte remplie de cristaux, de pierres précieuses. Et là, elle me montre un cristal qu'elle a envie de rapporter chez elle. Elle a vu... Ce qu'elle me montre là, c'est dans une de ses visites des mondes d'en bas. Et ce désir a été apporté sur le plan physique. Et le fait de se procurer ces cristaux a créé un lien. Elle s'est à nouveau mise en contact, en relation avec ces mondes d'en bas. Qu'est-ce que tu appelles les mondes d'en bas?
sous terre. Ah. Et ensuite? Il y a eu comme une... Il y a comme un arc électrique entre... Comment expliquer ça? C'est comme quand tu prends deux courants électriques, un en 220, l'autre en 110. Il y a des dissonances, ça crée comme un arc. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Comme si ce qu'elle avait vu dans ses visites n'était pas à la même fréquence que ce qui se passe là dans notre dimension. Mais comme elle a fait le lien psychique, ça fait comme un arc électrique. Qui l'a traversé. Oui. Et ce monde d'en bas, c'est un monde qu'elle connaît bien. Elle y est allée plusieurs fois. Elle a été fascinée par les couleurs. Elle y est retournée plusieurs fois. Mais à chaque fois, le souvenir s'en est effacé comme dans la brume. Sous quelle forme elle est allée plusieurs fois? Dans ses rêves. Ah d'accord. Ah oui. Elle n'est pas allée sur un plan d'incarnation ou d'expérience de vie. Non, dans ses rêves, elle voyage. D'accord, d'accord. Ok. Et d'où vient cette connexion qu'elle a avec les animaux, etc.? Qu'est-ce qui fait qu'elle est si proche de cette nature? C'est parce qu'elle est connectée déjà dans ses voyages qu'elle fait, dans ses rêves. Elle va sur d'autres plans. Ce que je vais dire, c'est à la fois positif et négatif. Les voyages qu'elle a fait accompagnés par l'énergie du serpent sacré, c'était comme une copie artificielle. Et en cela, on peut dire que c'est négatif. Mais en même temps, cela lui a donné comme un mode d'emploi de comment se déplacer seul, sans aucune aide. Ça, c'est ce que l'on pourrait appeler le bénéfice secondaire dont elle a tiré parti dans sa seconde vie, la seconde vie des humains qui se passe pendant le sommeil, pendant les rêves. D'accord. Et pendant ses rêves, elle visite, elle voyage dans d'autres mondes. Et elle est connectée aux esprits animaux par affinité, par plaisir. D'accord. C'est la raison pour laquelle elle prend une forme d'aigle pour voyager. C'est elle qu'on a vue en début de séance. Oui. Et alors, il a été dit qu'elle était comme une antenne et qu'elle recevait des informations. Et que j'aimerais savoir quel type d'information elle reçoit. Elle reçoit les informations de tous les mondes qu'elle va visiter. Très bien. Mais à quoi lui servent ces informations, là, ici et maintenant, dans sa forme humaine, en état de veille? Est-ce que ça induit quelque chose? Quelle action ça a sur elle? Et qu'est-ce que ça lui permet de faire? L'état de veille représente une toute petite partie
de l'état humain. Dans l'état de veille, elle n'a pas conscience de tout cela. Elle en a juste l'intuition, la prescience. Ça vient la compléter, ça lui permet de vivre une vie riche en information, en expérience, puisque la majorité des expériences ne se font pas sur le plan que l'on appelle de la conscience éveillée. D'accord. Ok. Très bonne explication. Très bien. Alors, à ce stade de cette séance, maintenant, nous allons appeler son soi supérieur. Oui. Et tu vas me dire comment tu le vois et lui demander qu'est-ce qu'il pense de ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites, qui auraient dû être faites? Est-ce qu'il peut s'exprimer? Enfin, elle a pris conscience de ce qui est copie artificielle et de ce qu'il n'est pas. Maintenant, elle peut faire la différence. Et c'était l'objectif, en quelque sorte. Très bien. Il a un message tout particulier pour elle pendant qu'elle l'écoute. Qu'elle reste vigilante, qu'elle garde son intuition en éveil pour faire la différence entre ce qui est copie et ce qui est original. Très bien. On va le remercier et maintenant tu vas appeler son âme. Oui. Comment tu la vois à présent? Elle est stable et comme rassurée. Est-ce que... À présent, les expériences vont être vraies et non pas, il n'y aura pas tromperie sur le type d'expérience vécue. Très bien. Elle a accès à présent à toutes ces informations. Oui. Elle est pleinement connectée à sa partie incarnée et à son essence. Oui. Très bien. Elle a quelque chose à dire à sa partie incarnée? Rien en particulier. D'accord. De toute façon, je pense que tout est dit. Bon, on va la saluer et nous allons, avant le retour, nous allons regarder son ADN. Dis-moi combien est-ce que tu vois de brins d'ADN de connecté, de brins éthériques? 4. 4, d'accord. Est-ce qu'elle peut en connecter d'autres? Elle peut aller jusqu'à 8. D'accord. Maintenant, elle peut le faire. Il y avait comme un empêchement de cette énergie du serpent sacré qui complétait en fait l'ADN de Marie par Lucien. Donc elle avait l'impression d'une complétude, mais c'était une copie faux. Maintenant, elle fait la différence. Elle connecte ses propres brins. Parfait. Alors, qu'elle demande la connexion et qu'elle les active. Et pendant ce temps, elle va regarder dans son ADN s'il y a encore des parties de ce serpent qui existeraient ou d'autres choses qui lui sont étrangères ou des programmes qui ne lui sont pas utile. Non, elle a déjà fait le nettoyage. Il n'y a plus rien? Non.
Très bien. Alors, pendant que ça s'active, dis-moi qu'est-ce que ça va changer pour elle, le fait de cette activation? Qu'est-ce que ça va amener de plus pour elle? Ça affine son intuition. Ça affine ses sens. Ça lui permet une vue plus globale. Ça affine ses perceptions. Très bien. Sur le plan de sa biologie, ça va changer quelque chose. Il y a une meilleure circulation d'énergie dans tout son corps. Les flux d'énergie se font avec plus de vigueur, plus de facilité et plus de fluidité. Parfait. Très bien. Alors, une dernière chose avant le retour et avant la douche. Nous allons redescendre nos fréquences. Ça y est. Très bien. À présent, tu vas procéder à ton ancrage. Oui. Et maintenant, tu vas respirer l'énergie qui est autour de toi. Dans les atomes en suspension dans l'air, tu respires avec chaque pore de ta peau. Tu respires les énergies luminiques, des particules de lumière qui sont dans l'air. Et également, tu te remplis de prana. Et tu peux sentir toutes ces énergies emplir chacune de tes cellules, chacun de tes organes, tous tes corps, toutes tes parties. Tes systèmes et tes fonctions se régénèrent complètement. Tu peux sentir cette énergie comme le matin d'un réveil, d'une nuit de sommeil récupérateur, en pleine forme optimiste. Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, nous allons passer à la douche énergétique. Donc, Marie va se trouver son portail et nous le nôtre, chacun le sien. Elle va se trouver la cascade qui lui convient dans son énergie, qui est faite de sons, de lumière, de parfums, de géométrie et de plein d'autres choses, d'énergie, d'informations originelles. Elle prend son compagnon par la main et elle lui montre qu'il peut Oui. faire pareil. Exactement. C'est pour ça qu'il était resté avec nous. Et je l'avais oublié. Donc il peut s'ouvrir son portail ou le prendre avec elle, je ne sais pas. Non, c'est chacun le Chacun le leur. sien, ouais. Ils sont pas encore exactement sur les mêmes fréquences. Allons-y. C'est parti. Et pendant ce temps, chacun se met une fleur de vie sous les pieds. Oui. Et maintenant, notre fameuse plaque. Oui. Et à présent, la graine de vie. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or diamant et bleu. Marie, elle est en train de découvrir un nouveau type de vitalité qu'elle ne connaissait pas jusqu'à présent. Et qu'elle expérimente là, maintenant. Très bien. Ça va satisfaire sa curiosité. Tu me diras lorsque tout le monde se sera régénéré, sera allé au bout du processus. C'est bon. Parfait. Donc chacun retourne à sa place respective. On ferme le portail derrière nous. Et Oui. voilà. Est-ce que avant le retour, est-ce que tu vois que j'ai oublié quelque chose? C'est bon. C'est tout bon?
Très bien. Alors nous allons procéder au retour. Et 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel. Coucou. Comment te sens-tu, Emmanuel? Très bien. T'es bien revenu, t'es en Ouais. forme, fraîche et alerte? Oui. Très bien. Marie, à nous. Est-ce que tu peux bien remettre ton micro? Voilà. Bon, alors, Oh. qu'est-ce que tu peux dire de ce qui s'est passé, de ce que tu as ressenti? De ce que j'ai ressenti au moment où le prêtre a changé sa ligne de temps, je me suis sentie réalignée, vraiment physiquement. Je me suis sentie calme et juste avec moi-même. C'est vrai que je sentais physiquement ce déphasement dont parlait Emmanuel. Et puis, toute la phase de réajustement, je ressentais un besoin de respirer profondément et ça me faisait chaque fois du bien. L'expiration, oui, je crois que je me remplissais d'énergie, ça me faisait du bien. Bon. Ben, vraiment, Ça t'a plu? ça répond à toutes mes attentes, c'est que du bonheur. Bon, tu sais que maintenant, ce qu'il va falloir, c'est que tu revoies ta vidéo, que tu revives ta séance. Hein. Tu peux prendre des notes, enfin, etc., si tu veux. Tu vois, bien ressentir. Hein. Et puis, on va rester en contact. Je te demanderai de nous donner des nouvelles, hein, de comment l'intégration se passe, si tu as des questions, etc. Savoir comment ça évolue pour toi. Ok, D'accord? très bien. Et la dernière question fatidique, bien sûr, c'est est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit diffusée sur YouTube? Ça peut bénéficier à d'autres personnes, autant que ça a bénéficié, d'autres vidéos m'ont bénéficié à moi, oui, c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu veux être flouté ou on te... C'est Non, c'est bon? bon. Génial. Ah bah tant mieux. C'est formidable. Merci à toi. Eh ben, merci beaucoup à vous. Merci Merci pour tout le monde. Pascal. Au revoir. Au revoir Marie et ben, à bientôt alors. Et puis merci à Emmanuel hein, pour son excellente prestation et son magnifique sourire. Revoir Marie et puis donne-nous de tes nouvelles. Oui, très bien. Au Bon après-midi. revoir. Au revoir Marie. Au revoir.